J'ai toujours vécu dans le présent. Je vis dans le présent. Je n'avais jamais de préoccupations, de carrière ou de vocation, de projection dans l'avenir. Ça me plaisait de peindre. J'ai peigné, donc j'étais peintre. Lorsque les gens me demandent « Comment faites-vous ?», je réponds « Je suis ». L'été, j'habite ce monastère franciscain. C'est à moitié en ruine, mais c'est beau et bien situé. Il y a beaucoup d'eau. Dans les villages, on raconte que mes amis et moi, nous allons gratter dans les cryptes, que nous sortons les crânes de moines et que nous buvons là-dedans. C'est faux. Nous buvons simplement dans des verres. C'est plus propre. On raconte que j'aime dominer. Ce n'est pas un besoin chez moi, mais c'est un fait. Apparemment, mon enfance était très heureuse. D'autre part, je suis après qu'il y avait autour de moi toujours des drames, de controverses entre mon père et ma mère. Il me semble qu'évidemment, ces choses ont eu une conséquence. Je les sentais, même si je ne les vivais pas. J'étais un enfant extrêmement gâté, choyé, couvé, justement parce que mon père, au fond, voulait me voler à ma mère. Il se peut que d'être le centre d'un univers d'adultes me donna une sorte de néronisme dont, je suppose, on peut voir parfois des traces. Les chasses et les paradis perdus, c'est la grâce, l'innocence, l'aisance, le savoir-vivre. Dans mes toiles d'il y a quelques années, tout le monde trouvait qu'il y avait une atmosphère nocturne, lunaire, et c'était vrai. Mes toiles plus récentes se sont éclaircies, ils ont une autre atmosphère. Mais j'ai toujours aimé le soleil, la clarté, probablement comme complément de ce côté nocturne qu'il y a en moi. Lorsque je suis venue à Paris, j'ai connu quelques surréalistes qui trouvaient que je pouvais appartenir au groupe. Je n'ai pas appartenu au groupe, parce que là, il y avait des lois, des contraintes, des choses que je n'aurais pas supportées. Mais j'étais amie de certains surréalistes que j'aimais beaucoup, comme Max Ernst, Éluard, quelques autres. Tous les gens qui sont trop masculins ou trop féminins sont très limités. Je crois que tous les êtres ont en soi des éléments féminins et masculins. Mais ils les étouffent pour des raisons sociales, pour des raisons de contraintes, pour des préjugés.
Si les gens seraient libres, ils seraient tous androgènes. Je ne peux pas expliquer ma peinture. La peinture doit s'expliquer par elle-même. Ou alors, je ferais mieux de laisser la parole au poète. Premièrement, je peins surtout des femmes parce que je peins une projection de moi-même. Ça, c'est sûr. Et parce que je suis intéressée surtout à moi-même, et les femmes, c'est moi. D'abord, j'aime me promener avec très peu de vêtements sur moi. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime l'été. J'aime énormément rester des heures dans l'eau.
Ici, chaque année, nous faisons l'été une fête. C'est comme la dieu de l'été. Nous fabriquons alors des costumes, des accessoires. Plus ou moins, nous savons comment ils vont être. Mais les soirs, dans une lumière différente, éclairée par des bougies, dans ces grands couloirs, dans ces cloîtres, tout prend une autre atmosphère. Ça devient extraordinaire. On est émerveillé. Les premières personnes masquées et déguisées que j'ai vues, c'était ma mère et une amie à elle. J'avais 3 ans, peut-être 4. Elles s'étaient déguisées dans des personnages que je regardais régulièrement dans un journal d'enfants. Lorsqu'elles entrèrent dans la pièce, j'ai eu une terreur épouvantable. Habituée à voir ça en 2 dimensions, les voir réelles, ça me faisait une terreur que je n'ai jamais oubliée. Il y a là un phénomène d'agrandissement, de dilatation, de glorification de soi. Les bals ne m'amusent pas. Il ne se passe jamais vraiment quelque chose en bal. J'allais uniquement pour pouvoir entrer, pour être les premières minutes enivrées de moi-même. Le fait que mes costumes étaient plus beaux, plus exagérés, et qu'on faisait une haie à mon passage, cela me donnait entière satisfaction. Comédienne, je peux être ange en même temps, voilà. Je peux être sorcière, mais dans le sens de sorcière de Michelet, c'est-à-dire de femme qui avait l'instinct de trouver le remède dans les plantes, dans les choses, qui ont le pressentiment, qui ont les intuitions justes, et qui sont farouchement asociales.